على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه. بل من دعوة جمعة الخير إن شاء الله في النص للدكتوراه d'aujourd'hui. Je voudrais au nom personnel et au nom des membres du jury نرحبوا ضيوفنا الكرام وأهلا وسهلا بكم في جامعة جالما. En ce jour du lundi 24 juin 2024, nous avons assisté à la soutenance publique du candidat Zadik Taha qui va nous exposer donc, un travail intitulé « Contribution à l'étude des caractéristiques physico-mécaniques des mortiers de sable et de dunes avec ajout ». Très bien. Donc ce travail va être exposé devant les membres du jury suivants. À mon extrême gauche, la professeure Habhoub Ouria de l'université de Skida, juste à côté le professeur Zahdine Nafa de l'université Louis Mais 45, commandant invité Jiddi Tarak de l'université de Gouad, le professeur Benachia Mouloud de l'université 45 de Guelma, du docteur Aïdoud Asia de l'université de Guelma, et enfin le jury sera présidé par moi-même, le professeur Shreit Yassine de l'université de Guelma. Madame le Doge, je vais dire un petit résumé sur le CV du candidat. Zadik Taha, né le 14-18 août 1972, il est titulaire d'un bac éducation technique obtenu en 1971. Il est titulaire d'un diplôme DEUA en travaux publics obtenu en 1994 à l'université de Moustagamem. Il est également titulaire d'un master 2 en génie civil obtenu en 2020 à l'université Chahid Hamma Lakhdar d'Elouad. Et il est doctorant depuis 2021 à l'université de Guelma. Actuellement, il occupe le poste d'ingénieur à la direction des équipements publics de la ville d'Elouad. Dernier point que je voudrais détailler, les travaux liés à la thèse de doctorat à M. Zadik. 1. Elle a fait l'objet d'une publication internationale dans la revue dans le journal Construction and Building, revue classée en catégorie A, 9 communications internationales et enfin 6 communications nationales. À la barrière. Donc, M. Zadik Tahar, vous avez 40 minutes pour nous faire un état global de votre recherche. Fadam Sboul. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والتسليم. ربي يشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bonsoir à tous. Avant de commencer, je tiens à exprimer ma gratitude à monsieur le professeur Mouloud Blachia, directeur de thèse, et madame le docteur Asia Aïdoud, co-directrice de thèse, et monsieur le docteur Taraj Did pour avoir rendu cette recherche possible. Je remercie également monsieur le professeur Yassine Chahid, président du jury, monsieur le professeur Nafaz Al-Din et madame le professeur Ouria Haboum pour avoir accepté de présider et d'examiner ma thèse. Madame et monsieur, bonsoir. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui. J'ai l'honneur de vous présenter mon travail de recherche qui est intitulé « Contribution à l'étude ». L'étude des caractéristiques physico-mécaniques des mortiers des sables de dunes avec ajout. Notre plan de présentation est structuré comme suit. Je commence par l'introduction générale, problématique, objectifs principaux, bref aperçu de la structure des thèses, gestion des déchets en Algérie, matériaux et procédures expérimentales, méthode de caractérisation, analyse et discussion des résultats, conclusion générale. Perspective, synthèse, production scientifique. Concernant l'introduction, les granulats sont essentiels dans l'industrie de la construction. Les béton et les matériaux les plus utilisés au XXe siècle consomment annuellement plus de 6 milliards de mètres cubes, entraînent de surutilisation des ressources naturelles. Pour répondre à cette demande croissante, le recyclage des granulats est nécessaire pour
préserver l'environnement et les ressources naturelles. Le Sahara algérien, riche en dunes de sable silicieux, offre un potentiel pour cette industrie. Le recyclage des grains est là, bien qu'est modeste, augmente, permettait d'économie du granulat alluvionnaire. Cette étude d'analyser les propriétés de la combinaison entre les sables de dunes et les sables recyclés, ainsi que les fibres en plastique, dans une composition cimentaire. Les recherches se concentrent sur l'effet de cette interaction sur les propriétés du mortier étudié. Problématique. De ce fait, la situation actuelle combine deux aspects majeurs. Le premier est lié au secteur de la construction qui fasse une pénurie de sable, difficile à trouver quand on contemple les immenses dunes du Sahara. Hélas, l'industrie a besoin de granulats aux caractéristiques bien précisées. Le sable du désert est pour elle inexploitable. Le deuxième problème concerne la gestion des déchets qui est une étape cruciale si l'on se contenter d'entrepôt ces déchets dans des décharges. Le problème est leur accumulation, c'est poussiéreux car suivant leur nature, ils peuvent se dégrader et donc disparaître très lentement. L'objectif principal de cette étude, c'est la caractérisation d'un mélange et de son mortier correspondant qui se compose de sable de dunes et de chine mettant du moulin et les fibres en plastique. Ces derniers matériaux qui consistent en source potentielle de plusieurs problèmes environnementaux et économiques. Le premier objectif sera l'amélioration des propriétés des sables de dunes, granulométrie, porosité, capacité et masse volumique, qui sont généralement de thèse, qui sera fait la substitution des sables de dunes par les ajouts sable recyclé et les fibres, à différentes teneurs volumiques 0,25, 50, 75 et 100%. Les fibres de taux 0,05, 1, 1,5 et 2% respectivement. La quantité de ciment et d'eau est maintenue fixée. Deuxième objectif sera l'étude de l'influence de l'ajout en substitution sur les caractéristiques physico-mécaniques du mortier à l'état frais, maniabilité, aéroclin, la masse volumique à l'état frais, et à l'état durci, porosité, absorption, masse volumique, résistance à la compression et à la friction et les déplacements frictionnels, ainsi que sa durabilité à l'acide sulfurique HDSO4. À la fin, les résultats obtenus vont être optimisés par la méthodologie de surface de réponse RSM. Bref, aperçu de la structure des tests. La thèse est organisée suivant cette structure et commencer par introduction générale. Premier chapitre, généralité sur les matériaux cimentaires. Deuxième chapitre, synthèse bibliographique sur les déchets. Troisième chapitre, matériaux et procédures expérimentales. Quatrième chapitre, analyse et discussion des résultats. Enfin, j'ai terminé par conclusion générale et recommandations. La gestion des déchets en Algérie. La gestion des déchets en Algérie est considérée comme une action prioritaire du ministère chargé de l'environnement ces derniers 10 ans. Pour cela, l'ensemble des textes est organisé ont été adoptés. Des moyens humains et techniques ont été engagés depuis 2001 pour améliorer ces services. En matière de législation et de réglementation, plusieurs lois ont été adoptées pour bien organiser ces opérations. Il y a législation, beaucoup de législation, et chaque législation, il y a des buts. En ce qui concerne le domaine institutionnel, il est important de noter la création de plusieurs organismes par l'État. Il y a 7 organismes, date de création. Le principal matériau utilisé dans cette recherche est le sable de dunes. Est un matériau abandonné dans le sud d'Algérie. Nous avons classé comme déchet. Parce que abandonné, j'ai classé dans cette étude comme déchet. D'après les études de littérature, le sable de dunes comporte à la fois des avantages et des inconvénients. Les avantages, disponibilité abondante, texture et couleur attirante, biodégradable, isolation thermique, résistance à la compression, drainage efficace, faible teneur en argile,
résistance au cycle gel-dégel. Les inconvénients, érosion et instabilité, coût élevé de transport, impact environnemental, problèmes de santé, manque de cohésion, qualité variable. Concernant les sables, le deuxième matériau utilisé est le sable recyclé qui joue le rôle de collecteur granulaire de sable de dune. Il est également inconvénient et des avantages. Concernant les avantages, durabilité environnementale, réduction des déchets, conservation des ressources naturelles, coût potentiel réduit, amélioration de la durabilité. Les inconvénients, qualité variable, contamination potentielle, besoin de tri et de traitement, limitation d'application. Troisième matériau, les fibres de déchets plastiques, en polyéthylène tétraphtalate, qui jouent le rôle d'armature. Ce sont des fibres synthétiques fabriquées à partir du polymère PET, qui sont également utilisées pour fabriquer des bouteilles en plastique et d'autres produits en plastique. Voici quelques informations sur les fibres. Résistance et durabilité, légèreté, résistance aux produits chimiques, résistance en tempérie et recyclabilité. Les matériaux procédures expérimentales, je commence les matériaux utilisés dans cette investigation. Les sables recyclés varient de 0 à 100% de 25%. Les sables de dune, de 0 à 100% dépassent de 25%. Les fibres de 20 et 30 mm de taux 0,05 à 1,5 et 2%. Type de mortier étudié. Un mortier de contrôle sans fibre, mortier de fibre de 20 mm et mortier fibré de 30 mm. Les essais expérimentaux, essais mécaniques, essais physiques et les essais chimiques. Concernant les essais mécaniques, résistance à la compression, résistance à la friction, déplacement frictionnel, vitesse d'impression ultrasonique. Les essais physiques, l'air au clair, retrait, absorption d'eau, porosité. Chimique, une attaque par l'acide sulfurique H2SO4. Provenance et préparation du matériau. L'eau potable utilisée de l'eau de laboratoire pédagogique du génie civil de l'Université Wimel 1945 Guelma. Le ciment utilisé CMD-42-5 provenant d'usine SPA Biskiria Ciment, Biskira Algi. Le sable d'Idine provenant de la région du Oued Souf, commune de Bayada, Wilaya de l'Oued, Algérie. Granulométrie entre 0,063 et 1,25 mm, colère dorée, la masse volumique absolue 2,63 g par centimètre cube, modèle de finesse 1,13, l'équivalent de sable 98-92, la forme roulée. La sable recyclé provenant du béton du moulin, utilisé comme correcteur granulaire, concassé à laboratoire de génie civil de l'Université Béji Mokhtar à Naba, granulométrie 0,063 à 5 mm, colère gris, la masse volumique de 38 g par centimètre cube, modèle de finesse 353, l'équivalent de sable 88-14, forme angulaire. Le plastique fibre, prélevé à partir d'une décharge biblique, puis soumis à un processus de sillage pour créer des fibres de 20 à 30 mm. Chaque longueur a été coupée en 5 parties longitudinales avec une largeur moyenne de 2,44 mm et une épaisseur standard de 0,85 mm. La résistance traction 305 N par mm carré, colère vert, la forme prismatique. La distribution de granulométrie du mélange granulaire est illustrée la figure suivante. Le mélange des parts égales 50-50 dans le fisou, identifié par les courbes rouges, montre le mélange des sables et préféré. La propriété physique du granulat des fibres plastiques utilisées, voici quelques indicateurs physiques concernant les matériaux utilisés. La masse volumique absolue, je constate que le sable de dune 2,63, le sable recyclé 2,38. L'absorption d'eau, je constate le sable de dune qui est absorbé plus que le sable recyclé. L'équivalent de sable papiston 98, 92, 88, 14, j'ai remarqué que le sable de dune pli net, le pli propre sur la sable recyclé, la forme roulée ou l'autre angulaire. Une investigation par Dialix et Leftir confirme la nature des composantes de deux sables utilisés. Les analyses physico-chimiques ont révélé que les sables d'idine et les sables recyclés
contient les minéraux de quartz et de calcite. En outre, il a été observé que les sables recyclés contiennent de très faibles pourcentages de gypse et feldspath. Cependant, les analyses MEP, microscopie électronique à balayage, montrent les micrographies pour les sables de dunes et les sables recyclés, les différentes tailles des formes et les différentes tailles et les formes des particules peuvent être observées. Ces différences sont dues à leur origine distincte et leur historique de transformation. Une photo de MEP montre la forme et l'état de surface de chaque grain utilisé. Cette diapo clarifie le protocole suivant dans cette recherche. Je commence par les sables dédiés de pourcentage, les sables recyclés plus les fibres de 20 mm à chaque longueur de pourcentage et les fibres de 30 mm. J'obtiens enfin les échantillons à 5 formulations timoires sans fibres, 20 formulations fibrées de 20 mm de long et 20 formulations fibrées de 30 mm de long. La formulation normalisée pour tous les IC, si on prend le sable 1350 g, le ciment 450 g, et le rapport E sur C, après plusieurs IC, on fixe 0,6. Les matériaux en sec, les C d'étalement ou les échantillons obtenus, 4416. Pour tous les IC effectués, on utilise le désoprouvette prismatique 4416. L'essai de compression a été réalisé directement sur l'une des pièces obtenues après l'essai de friction. Les dimensions des éprouvettes cubiques pour la compression sont de 4 cm3. Les laboratoires d'essai, les essais réalisés dans cette recherche sont effectués à travers les labos suivants, qui à l'occasion, on les remercie pour leur aide et leur collaboration. Laboratoire pédagogique du département de génie civil et hydraulique de l'université Wimel-Guelma, laboratoire de recherche, même université Wimel-Guelma, laboratoire de génie civil, LGCS, de l'université Béji Mokhtar à Naba, laboratoire de l'Everest, université Cheikh Hamal Akhdar, El Ouar, enfin laboratoire de recherche, GPC GEMS, Tunis. Les analyses et les discussions des résultats. Je commence les propriétés de mortier à l'état frais. La marge d'étalement des différents types de mortier sont alternes entre 145 et 224 mm. Ce qui confirme la nature plastique de chaque formulation. Ces figures montrent la résistance mécanique du mortier de référence. Nous avons stipulé que la formulation optimisée témoigne 50-50. À enregistrer les meilleurs résultats en compression et en friction. Les formulations de 20 mm d'élan à chaque taux de fibre, on constate que les mélanges 50-50 toujours enregistrer les meilleures résistances. Les formulations de fibres de 30 mm d'élan, j'observais une perturbation, mais reste les mélanges 50-50 classés parmi les meilleures résistances à la compression. Le mélange 50-50 reste toujours donné la meilleure résistance à la friction, comme illustré à la figure. La résistance maximale varie alternativement entre nos formulations qui contiennent 50-50, 100% sable de dune et 100% sable recyclé. Dans les cas, on utilise la longueur des fibres 30 mm. Déplacement frictionnel, nous avons constaté un déplacement supplémentaire lors de l'introduction des fibres par rapport aux références. Les mortiers des fibres de 30 mm ont enregistré des déplacements plus lents par rapport aux mortiers fibrés de 20 mm et les mortiers de référence. Je constate une pente en différence de 1,72 mm par rapport au mortier témoin, premier mortier du mois, jusqu'à le mortier numéro 45. Qui compose des fibres de 30 mm avec un taux de pourcent. Concernant les paramètres physiques, on commence par les replis. Nous avons enregistré les remarques suivantes. Lors qu'elle augmente le taux de sable dédié, les replis augmentent. Lors qu'elle augmente de sable recyclé, les replis diminuent.
Les mortiers de fibre de 30 mm a donné des pourcentages inférieurs d'aéroclines. L'absorption par les miliciens, on constate que les fibres ne marquent aucun effet prononcé vis-à-vis de l'absorption d'eau à travers les différentes formulations. Les mortiers à base de sable d'idine est moins absorbant par rapport aussi à base de sable recyclé. Du fait de la nature surfacique pour eux de sable recyclé. Concernant le retrait, le résultat de la variation dimensionnelle des mortiers fibrés assurant l'effet bénéfique de l'augmentation de la longueur et des taux de fibres. Comme illustré, je remarque que les fibres de 30 mm donnent, parce qu'on hésite de taux dans les fibres ou la longueur, l'arrêté réduit. L'effet de la porosité. La porosité augmente avec l'augmentation des sables recyclés dans toutes les formulations de référence. Je constate que les formulations de sable de 100%, dans les cas où on dit le champ, le sable recyclé 25-50-75, à la porosité, donc le sable recyclé qui augmente la porosité. Les mêmes observations ont été enregistrées dans la formulation fibrée de 20 et 30 mm. Même observation. Le taux et la longueur des fibres ne jouent pas un rôle significatif sur la porosité. La longueur et le taux de fibres, même à Tador, je réduis la porosité. Les images listées montrent les modes de rupture des eaux prouvertes sans et avec fibres. Il est évident que les fibres jouent les rôles d'armature dans les zones tendues, ce qui améliore la résistance aux efforts de friction. Les mécanismes de défaillance des mortiers de référence sont fibres. Je remarque l'essai que les eaux prouvertes comme éclaté totalement, mais dans le cas du mécanisme avec les mortiers de fibres de 30 et 20 mm, je constate que les mortiers, les ruptures avec une fissure difficile. L'effet de la substitution de sable de dîme par sable recyclé et le taux de fibres, c'est la vitesse ultrasonique. On remarque que la vitesse ultrasonique est acceptable dans tous les mélanges. La meilleure vitesse est enregistrée chez les éprouvettes 50-50 avec 2% de fibres de 20 mm de long. Cette situation est sûrement en accord avec les résultats des compressions. Cinétique d'absorption d'eau par capillarité en fonction de taux de substitution de sable de dîme par sable recyclé de mortier témoin. D'après les figures suivantes, on remarque que les mélanges M25YZ et M50YZ, quel que soit le taux et longueur des fibres, Y c'est le taux et Z longueur des fibres, sont les moins absorbants par rapport aux autres formulations. Concernant la formulation 50YZ, à cause de la courbe granulométrique est plus performante, ce qui indique un arrangement intergranulaire plus favorable et par conséquent moins absorbant à l'eau. Les figures montrent qu'ils utilisent les fibres 20 mm, 0,5%, deuxième figure 1%, toujours de 20 mm, 1,5% et 2%. Concernant le mélange confectionné à 30 mm de fibres, de chaque pourcentage 0,5, 1% et 1,5%, 2%. État des éprouvettes à différents moments, on constate une dégradation continue sous l'effet de l'acide sulfurique au cours de temps. Au premier jour à l'acide sulfurique, immersion pendant 120 jours, il y a une dégradation, même il y a une couleur jaune, c'est la gypse. L'immersion pendant 240 jours.
الديجراداسيون ما كانتش ديجراداسيون رابيد باسكو جو بسيرفي ان لي سابل دي دي ريزيست بيان افيك لاش دي اس 4 سي بور سا لي ديجراداسيون ما كانت لونت On constate la dégradation continue sur l'effet de l'acide sulfurique. Une couche blanchâtre a été observée, indiquant la formulation d'égypse. Les pertes de masse, on constate que les formulations qui contiennent sable recyclé résistent mieux que les formulations qui contiennent les sables siliceux. Dans cette investigation, nous avons utilisé la technique de la méthodologie des surfaces de réponse, RSM, pour l'optimisation avec le logiciel Design Expert version 13. La méthodologie des surfaces de réponse est une collection technique, mathématique et statistique qui pourra modéliser et analyser le problème dans lequel une réponse d'intérêt est influencée par plusieurs variables indépendantes. L'objectif principal de l'ARSM est d'optimiser cette réponse. Le principe de base de l'ARSM, modélisation. L'ARSM utilise du modèle polynôme pour approximer la relation entre les variables indépendantes et les réponses. Les modèles les plus couramment utilisés sont le polynôme et premier ordre et second ordre, le premier ordre linéaire et le second ordre quadratique. Deuxième principe, plan d'expérience. L'ARSM repose sur les plans d'expérience, bien conçus pour collecter des données de manière efficace. Les plans d'expérience couramment utilisés incluent les plans factoriels et les plans composés centraux CCD et les plans de box Bianchi design. C'est un plan qui est adapté pour cette recherche. Troisième principe, c'est l'optimisation. Une fois le modèle ajusté, il utilise pour explorer la surface de réponse, c'est-à-dire la réponse prédite par le modèle en fonction de différentes combinaisons de valeurs de facteurs. L'objectif est d'identifier les conditions optimales du facteur qui maximise et ou minimise les réponses d'intérêt. Les avantages de la simple efficacité réduite. Le nombre d'expériences nécessaires, on utilise des plans d'expérience structurés, comprenant, permettent de comprendre l'interaction entre différents facteurs d'influence, influencer la réponse. Optimisation aide à identifier les conditions optimales pour obtenir des performances maximales. En somme, la méthodologie des surfaces de réponse est un outil puissant pour l'optimisation et l'amélioration des processus dans de nombreux domaines, scientifiques et industriels. À propos de la corrélation entre les valeurs prédites et les réelles, de Lucomorti et Didi, dans cette corrélation, la figure montre les relations entre les valeurs prédites et l'expérimental, qui sont très proches de la ligne diagonale. Les résultats expérimentaux sont bons accordés avec les prédictions. Les figures qui représentent la distribution normale des résidus montrent que les résidus sont raisonnablement alignés sur les lignes droites, ce qui indique une distribution normale et des erreurs et l'absence de l'écart de variance pour toutes les réponses, ce qui indique la validité de ces modèles. Les courbes de sortie inspirées par la RSM. Le graphique de réponse 3D modèle, voici quelques graphiques tridimensionnels illustrés des réponses mesurées expérimentalement en fonction de divers paramètres d'entrée. Chaque réponse a un graphique. Il y a 8 réponses, 4 mécaniques et 4 physiques. Les meilleures données de RAM de désirabilité pour les valeurs optimales de résistance de compression, friction, déplacement ultrasonique, l'absorption d'eau, porosité, l'aéropli et les retraits de locomorti ETD. Dans cette optimisation, on peut retirer ce qui suit. Les facteurs d'entrée, d'après le logiciel Atana, 50% sable DD, 50% sable recyclé, 0,5%
40% taux des fibres de long de 30 mm. Concernant les réponses, au sol des AT compression 43-39 MPa, friction 7-72 MPa, déplacement frictionnel 37 mm, les traceurs 3606-74 m/s, autre absorption jusqu'à 12,05, porosité 20 à 42%, l'aéroclit 2,23%, enfin retrait 22,76 µm/m. Avec un coefficient de durabilité plus proche de 1 égale 0,9, les équations prédictives inspirées de ce modèle, on peut calculer les réponses prédictives à partir de facteurs d'entrée. A représente les sables d'idine, B représente le sable recyclé, C taux des fibres et D longueur des fibres. Selon les équations suivantes, chaque réponse, j'inspire une équation. Conclusion. L'utilisation du matériau recyclé tel que les sables d'idine, les sables recyclés et les fibres polyvinyl tétra, le BET, dans la fabrication des mortiers offre une solution innovante et durable pour l'industrie de la construction. Cette approche permet de réduire la dépendance aux ressources naturelles, de minimiser l'impact environnemental associé à l'extraction de nouveaux matériaux et de promouvoir la gestion responsable des déchets. Les avantages de cette approche comprennent une durabilité environnementale renforcée, une résistance améliorée du mortier, d'économies potentielles sur les coûts à long terme et la stimulation de l'innovation dans le domaine de construction durable. En intégrant ces matériaux recyclés dans la fabrication des mortiers, il est possible de créer des structures plus résistantes, plus durables et plus respectueuses de l'environnement. Cependant, des défis subsistent, notamment en ce qui concerne la qualité et les performances des matériaux recyclés, la nécessité de développement des processus de fabrication efficaces et rentables, ainsi que la sensibilisation et l'adoption de ces pratiques par l'industrie de la construction. En définitive, l'utilisation des matériaux recyclés dans la fabrication des mortiers représente une opportunité importante pour progresser vers une construction plus durable et respectueuse de l'environnement, avec un engagement continu envers l'innovation. La recherche et le développement de cette approche peut jouer un rôle crucial dans la transition vers un avenir plus durable et résilient dans le secteur de la construction. Perspective. En premier lieu, il sera bénéfique pour suivre des investigations sur les propriétés mécaniques, thermiques et chimiques de comortiers, élaborés avec des formulations variées des sables d'idine, d'agrégats recyclés et des fibres plastiques. Une attention particulière devra être accordée à l'optimisation des proportions de ces composantes pour maximiser les performances des mortiers, tout en garantissant une durabilité accurée aux régions à température élevée et des zones agressives. Étude sur la résistance à l'ébullition, la résistance au cycle gel déjà, la résistance aux attaques chimiques, afin de mieux comprendre comment ces matériaux se comportent dans des conditions environnementales réalistes. Synthèse. Finalement, on résume notre contribution comme illustré dans la synthèse graphique. Je commence par valorisation 3 déchets en Algérie, le sable d'idine, le sable recyclé et les fibres. J'ai formulé 3 types de mortiers, mortiers témoins, mortiers de fibres de 20 et mortiers fibrés de 30 mm. Le résultat en fabrication de 3 mortiers, le résultat des essais expérimentaux et les résultats optimisés par le logiciel. Enfin, le modèle désiré avec un best résultat, au meilleur résultat. Concernant la production scientifique, j'ai terminé mon exposé par vous présenter les productions scientifiques qui ont été réalisées au cours de cette thèse. Je commence par les publications dans les revues de grande renommée qui sont CBM et le journal CLIR. CBM, avec un facteur d'impact 7,4, catégorie 1. Concernant le journal Clean of Production, avec un facteur d'impact 11,1 de catégorie 1+.
Ensuite, les participations aux conférences internationales qui sont au nombre plus de 7. Premier, le certificat of attendance délivré par l'ICDL. Cette participation à l'université de Skikda, université entre participation à l'université de Biskra, même l'université de Skikda, université toujours 2022-2023 à Skikda, en université, j'ai participé à l'université Jamaa Shahid Hamal Akhdal Moued, et l'université toujours Shahid Hamal Akhdal Moued. Concernant les manifestations nationales, on fait les participations aux conférences nationales qui sont au nombre de 6. J'ai participé à la première internationale à l'université de Shahid Hamal Akhdal Moued. Deuxième, à l'université de Soubehras. Troisième, ma université, l'université de Guelma. Avec 2 participations, j'ai exposé un seul attestation. Université de Qasdim El-Bah, Ouregla. J'ai terminé par l'attestation de participation à l'université de Sougaras en 2023. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, je vous en prie. Merci, monsieur. Merci, monsieur Zedek, pour le, avant tout le respect du temps alloué. Vous nous avez fait exactement 35 minutes. Je vous félicite pour la qualité des diapos et de votre exposé oral. Sans trop de tarder, on va donner la parole aux deux examinateurs désignés à cet effet. En commençant par la professeure Hebo. Merci, monsieur le président. Merci aussi au candidat pour la qualité de l'exposé, sinon pour l'importance du sujet traité. Donc pour moi, c'est l'utilisation des déchets donc reste toujours un sujet d'actualité. Concernant donc la thèse, d'une manière générale, elle est bien structurée, claire. Elle contient un programme expérimental donc consistant, et notamment donc la partie optimisation. La présentation des résultats donc se forme des courbes, des tableaux et clairs aussi. Donc la thèse est très riche en différences bibliographiques entre anciennes et récentes. Mais il y a toujours des points qui nécessitent des éclaircissements. Okay. Donc je commence par le côté forme. Donc j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'erreurs de saisie. Okay. Donc, premièrement, donc, il y a plusieurs mots qui sont liés dans la rédaction de la thèse. L'article est un exemple. Exemple, donc, la liste des abréviations. Par exemple, ST, sable de dune. De dune, donc l'île. L'île Badam. Comment expliquer le mot? Je pense que c'est le passage de l'œuvre de la PDF. De toute façon, j'ai vérifié la version électronique, c'est la même chose. C'est l'impression. L'essentiel, il y a presque le chapitre 1, surtout chapitre 1 et 2. Presque. Fait beaucoup de mots de la même façon. Deuxièmement, donc il y a beaucoup de changements de caractère et changements de style d'écriture aussi. En principe, on garde le même style d'écriture, les mêmes caractères, la totalité de la thèse. Il y a aussi des références qui sont mal insérées dans le texte. Des exemples, donc c'est pour la page 9 par exemple.
page 9. Par exemple, donc, des fois, la rédaction, où je n'ai pas, par exemple, le nom et la première lettre du prénom. Et d'autres pages, non. Continue. Il y a aussi la page 11. La page 11, la référence 12, non conforme avec la liste. C'est-à-dire la référence 12, c'est la page 11. Donc la liste, mais les gens. Par exemple, donc la page 20, la référence 38, dans le texte, il y a un nom, la liste, il y a un nom, wahedaha. Donc la même chose pour la page 23-24. Qui a deux références qui portent le même numéro, 56. Donc ça, c'est juste des exemples. Il y a la totalité de la thèse, il est toujours comme ça. Okay. Donc la rédaction des références, il faut suivre le ce système. De même pour la citation des figures. Des fois, je trouve, par exemple, la figure commence par majuscule, des fois, non, minuscule. Des fois, il y a figure tout court. Même l'ordre de classement des figures ou la citation du texte. Des fois, qu'il y a, des fois, mais qu'il n'y a. Ok. La même chose pour les équations. Il y a un décalage. Pour la numérotation des équations, bien sûr. Il y a un décalage pour la numérotation des équations. Maintenant, donc, j'ai des remarques donc, sur le fond. Je commence par le résumé et l'introduction. Donc, dans le résumé, pour moi, il faut préciser le type de déchets de démolition utilisé dans votre travail. Donc, pour moi, ça va être la page 53, mais je vais vous dire que c'est les éprouvettes en béton. Non, pour comme déchets. Comme déchets. Donc, ça fait la page 43, je crois, la page 53. Du coup, il y a plusieurs types de déchets de démolition. Ça, vous n'avez pas précisé le type de déchets de démolition. Surtout dans le résumé. Dans l'introduction, que ce soit donc la thèse ou l'exposé, donc vous parlez trop sur le béton, alors que l'objectif est d'accéder au petit, c'est pas le béton. Donc la problématique maintenant. Dans la problématique, donc vous avez concentré sur la récupération des déchets de démolition. Ok. Donc, qui dit bzef la déchets de démolition. Démolition. Par contre, vous n'avez pas signalé l'objectif de l'introduction des fibres de déchets plastiques dans la formulation des mortiers, par exemple l'imitation de fissuration, l'augmentation de la résistance, etc. C'est-à-dire le cas c'est sur les granulats recyclés. L'objectif des fibres, donc le kench.
la problématique. Donc l'utilisation des sables de dunes illimitée, donc elle est comme problématique illimitée, donc parce que donc inexploitable, et c'est à cause de la granulométrie, c'est-à-dire elle est charte de la problématique entière, parce que le sable de dunes عنده donc une mauvaise régularité de la granularité ou le module de finesse interne donc très fin. يعني tu n'as pas signalé بلي هذا السابل دو دون سيت ان ديشي. alors كينا وصل للشابتر 2 je trouve que le sable de dune تاع الصحراء est considéré comme un déchet inerte. est-ce que c'est un déchet Je vois ce que c'est une ressource naturelle. On a pas besoin de les déchets. La problématique, je suis d'accord avec la distribution granulométrique, etc. Parce qu'il y a une loi déchets. C'est une ressource naturelle. ديشي دونك tout ce qui est contaminé ou la jeté ou la نقدروا نقولوا عليه سي سوب برودوي نقولوا عليه ديشي بصح هذا سي با ديشي سي سوب هو بعد ما دي كونتراديكسيون كونتراديكسيون ولا تبيزيت الكلمه هذه ولا ودي انا عارف واش اوكي دونك هذه شويه نروحوا لاباج 7 شابتر 1 Généralité sur les matériaux cimentaires. Les matériaux cimentaires, par définition, donc c'est quoi? Chez vous, mais les matériaux cimentaires. Les matériaux cimentaires concernés par des grands matériaux, il y a des matériaux dans les matériaux. Il y a des ciments, classe, vous voulez Normalement, les matériaux cimentaires sont les matériaux qui ont la même composition du ciment, comme par exemple les ajouts cimentaires. La définition. Allez, je pense qu'on a fait le titre. Franchement, j'ai lu le contenu, mais tu vois, faire mal le titre. Donc, la méthodologie du chapitre. Hein? Donc, généralité sur les matériaux cimentaires. 1.1, introduction. 1.2, définition des matériaux cimentaires. 1.3, donc c'est le ciment portland. 1.4, sable de dune. On va ensuite des définitions. Sable recyclé. Donc, une cache enchaînement. Entre les titres, il y a des termes. Mais quel enchaînement? Comme par exemple, il y a l'absorption, N5, je dis avec N5, l'absorption. N5, absorption, la page 16. N5, numéro, qu'il s'y tire, je dis un numéro. Absorption d'eau et la densité apparente des granulats. Ensuite, les propriétés, caractéristiques expérimentales. Est-ce que l'absorption est parmi les propriétés? Je vais vous dire titre. Vous avez compris? Donc, je vais vous dire. Toujours dans la page 15. La page 15. Avec le titre, c'est 1.5.2. Le titre, c'est béton de granulat recyclé. Béton de granulat recyclé. Ce qui n'a pas le contenu, ou des granulats recyclés de béton de démolition. Qui n'a pas le contenu, texte. Les granulats recyclés de béton de démolition. Mais chez l'axe.
فهمتينيش هي نورمالمون تيتري يكون غرانيولا روسيكلي دو بيتون دو ديموليسيون لا باش 24 11 d'abord, on va dans le pôle médical. Le deuxième paragraphe. Donc le rapport sable sur granula et le rapport sable de dune sur granula fin. Donc, je trouve que le premier rapport, sable sur granula. Granula, c'est gravier. Parce qu'on dit granula. Granula, c'est tous les classes granulaires. Sable, le gravier. Ou le granula. Normalement, on a le rapport, c'est J sur S, yani gravier sur sable. Même pas sable sur granula. Normalement, c'est sable sur gravier ou le gravier sur sable. Oui, normalement, c'est gravier sur sable. Mais chez granula, qui est granula, c'est toutes les classes granulaires. Tchardouj pour sable sur sable. La même chose elle est pour sable de dune sur granula fin. Ou je trouve que c'est les granula fin. Et les granula fin, normalement, c'est les sables. C'est pas. La page 24. La page 24. Je trouve un truc juste au-dessus de la figure. Les trois phrases, il faut que la figure. De plus, l'utilisation d'adjuvants pozzolaniques. Adjuvants pozzolaniques comme la fumicillase ou la cendre volante. Donc, fumicillase ou cendre volante sont des ajouts, mais des adjuvants. Les adjuvants sont des produits chimiques. Ou un de qui a un neuf, le belmounes, le mouhéda, un de qui a. C'est-à-dire entre additif, ajout, adjuvant, je suis qu'il y a une chaltchouya. Ensuite, la page 53. Donc, elle est chef d'être comment la page 53. Donc, vous avez utilisé les éprouvettes à votre sourd. D'accord. Les éprouvettes. Tu me le vois sur. Hein? Ou qu'est-ce que j'ai fait à l'aide? Allez! Je vais te dire le béton, tu as un homme, je vais me le vois sur. Pour moi. Parce que le béton, tu as un ouvrage. Non, voilà, l'ouvrage. Il faut que tu me le vois sur. C'est fallait que tu as, c'est-à-dire si lourd le. باش تنقل لي زيبروفيت من واد سوف حتى لهنا قلنا نقدروا تهز لي زيبروفيت تاع شونتي حدا ميم بالك في اليونيفرسيتي وتهز لي زيبروفيت ديريكتومون يعني على حتى تجي من واد سوف. زيبروفيت نعرف الكومبوزيسيون تاعها باسكو تعطينا تاع واد سوف ونعرف الكومبوزيسيون تاعها كيفاش تبدا. عندهم فورميلاسيون وحده؟ لا juste une remarque sur le module de finesse. Donc le module de finesse,
résultat de l'analyse granulométrique. علاش حتى حطيتيها مع ليكيفالون سابل؟ عندك الاناليز غرانيلوميتريك في التيتر 3 3 3 1 اناليز غرانيلوميتريك. ها فهمتيني؟ فهمتيني يعني؟ قلت لك الموديل دو فينونس هي دونك ريزولتا دو كالكول تاع الاناليز غرانيلوميتريك. علاش حتى انت حطيتيها مع الـ مع ليكيفالون سابل؟ انت حطيتيها في لاباج 55 ولا اناليز غرانيلوميتريك في لاباج 54؟ تجمع في نورمالمون تتبع في الاسباس 56. شوف لي كنت تحب تحط لي ديابو تاع الديريكس تاع الديابو. واش من ديابو واحدة تاع كوارتز واحدة تاع واحدة الكوارتز دونك سي سي لي اس اي او 2 والكالسيت سي سي اس اي او 3 لاشو صح ولا لا؟ الوغ كو دابخي لا ريفيرونس 8 نتاعك ها بلوس لي زاناليز شيميك مونسيوني في الشابيتر 1 دونك تقول بلي لو سابل نتاعك تاع هذا واش سابل دو دين تاع الصحراء اي كومبوزي دو 95% دو سيليس مين جاتك هذيك السي تاع الكوارتز بطريقه واحده اخرى كيف حطيتي لي بيك هذوك معناها لي بيك ما عندليش انت ولا نورمالمون نحطوهم لا ليتيراتور ولا الواحد كيعود عنده لي موان باغ اكزومبل لي لابو ديفلوبي يخرجهم ديريكتومون هي دي فوا دي فوا يعطيونا دي اكس سون بيك لي بيك نحطوهم حنا من ليتيراتور لي ريفيرونس من لا ريشيرش بيبليوغرافي نعملوها على سو لي ماتيريو باسكو هنا كاينه كونتراديكسيون هنا يشوفك عندك الكوارتز بريس كيما السيليس ما كاين فرق كبير انا جاتني كون درتي لاناليز شيميك تجيك اسهل في الـ هنا درك هذه في الـ لي دو بيك يا اخي تشوف من بريسك الكوارتز والاخرى من في الميم نيفو ها الوغ كو الصابل تاع الصحراء وانتوما خدمتيو عليه بزاف عندك في لا ليتيراتور كاين تقول لي بلي سي تاع صابل سيليسو انا جو فوا لو كان حطوها لك من لا ليتيراتور معناتها غلطوا يعني نورمالمون يجيو كيفي زوز ماشي كوارتز وكالسيت وين خدمتيه؟ في الوادة شكرا ما عندهمش هما ين باز دو دوني اللي تعطيك اللي تلقاهم عندهم لا باز دو دوني ني كومون بالك تاع السير دي تاع بومرداس ولا حطوها لك من لا ليتيراتور هم يغلطوا مش محتم هم انا بور مو شايفتها هكا ومع مع واش كنتي تقول انت في الشابيتر الاولى ومي بو جات فيها لا شو بعد في لا ديورابيليتي تقول بلي الصابون دو جيو تاعك يمد لك اون تري غون ديورابيليتي كي يعود كاين الكالسيت تنقص لا ديورابيليتي باغ كونتخ لا سيليس لوغمونت لا ديورابيليتي انا شفت هكا تبالك انا عارف لا ممكن دي فوا اوسي في دونك شفتها في ديابو وعندك في بلوزيغ باج لا باج 58 ولا باج 80 دي فوا تستعمل لو مو رومبلاسمون ولا سيبستيتيسيون
Ou des fois, tu dis correction. Correction. Tu corriges le sable de Dunjak par un sable recyclé. Nous avons utilisé le mot correction. Il y a une formule de correction. الحاجه الثانيه راح نخرجوا نورمالمون بورسونتاج واحد يعني كيما انت كي تقول لي كوريكسيون نورمالمون تخرج لي ب 50 50 باسكو هو اللي خرج لك 100 دونك انا بور موا نحي لي لو كوريكسيون دونك كوريكسيون حط رومبلاسمون سبستيتيسيون كوريكسيون دي مو اللي تجي كوريكسيون كوريكسيون داني تسكيل صافي دي بصح كي كونطون كوريج ديجا نستعملوا لي فورميل دو كوريكسيون حاجه هنا لي فورميل دو كوريكسيون هما ما يخرجوا لك بورسونتاج واحد انت عندك شحال خمسة ولا أربعة دونك 25 50 75 100% دونك عندك 5% يعني لو مو كوريكسيون نورمالمون ما يصلحش هي 5% باش نعرف انا لي بورسونتاج لي utiliser les sables recyclés pour corriger la courbe graninaire. Je trouve la courbe. C'est qui corrigeait avec mes résidus le meilleur résultat. Avec les pourcentages qui m'arrivent. Qu'on corrigeait. C'est uniquement 50-50. Parce que vous avez le plus de l'air. قلت لك برك يعني لو مو كوريكسيون نورمالمون ماش مع فهمتيني نورمالمون عندك رومبلاسمون ولا سبستيتيسيون شوف لا باج 59 كاتريم كولون تاع الطابلو ها طابلو تاع كولون الرابعة وين عندك صابل دو جين دونك عندك تما مونك في لي ريزولتا ولا دونك نعطيك ان اكزومبل 350 635 la ligne 6 فهمتي oui. De même pour 67 avec 600 La ligne 6. Satr 6 ou le colonne 4. 135. Vous dites qu'il y a d'autres chiffres qui ne sont pas conformes. La page 66. Tableau, le tableau des classifications des résistances. Classification de la qualité du béton 27. Est-ce que c'est applicable pour les mortiers? La vitesse. Ouais. Est-ce que c'est applicable? D'après la recherche, on a dit que c'est normalement, mais c'est applicable. Adapté. Pour les mortiers. On a connu que c'est là. Le mortier, déjà, on a donné. Parce que le mortier, il y a des choses qui sont énormes, je veux que tu précises la vitesse et le traçant. Mais qu'est-ce qui est énorme? D'après la littérature, on a dit que c'est adapté. Vous dites que c'est le béton. C'est le béton. Normalement, c'est applicable. 67, avec l'unité du vitesse. Donc, vitesse de 0,5 MPa sur seconde, 6 mètres sur seconde. Les trois phrases à rien. Donc, 0,5 MPa par seconde. C'est bon. Normalement 0,5 هذيك تم 0.5 يعني لي شيفر تاعك كله محسوب كيما هكا ما تكتبش 0, اوكي
la page 69, le résultat c'est la page 99. Je ne suis pas que le paragraphe juste, hein, juste au-dessous de la figure 321. Kaliwinkin, 6 mesures ont été réalisées sur des éprouvettes prismatiques. Oui. Sur des éprouvettes prismatiques de dimension 4x4x16, après 28 jours de durcissement à l'eau pendant une période de 21 jours. Là, c'est la mesure de retrait. Oui. Tu peux dire qu'il n'y a pas qu'il fiche d'être la conservation. Conservation des éprouvettes. Mesure de retrait. Oui. La conservation, oui, tu comprends. تكون الو ولا الير الماء ولا في الهواء روتري لا الكونسيرفاسيون ابري 28 جور تاع ديسيسمون ابري ديمولاج لا لي جوز تاعنا تو جيست ابري ديمولاج كونسيرفي الو باش انا بور ميزور دو روتري نو نحكي على لي سي هادي سي لي سي دو روتري وي تقول لي الكونسيرفاسيون 28 جور في الماء ومن بعد نقيس 21 جور معليش بك حاجه بك باش نوصل لحاجه بك انايا لو تيب دو روتري ميزوري سي كوا بيسك في لا باج 99 تقول لي قص لو روتري بلاستيك تقصي لو روتري بلاستيك لا لو روتري استعملنا روتري مش البلاستيك نقيس في روتري نشوف زوبروفيت اسك Si retrait, donc oui. L'éprouvette, j'ai l'appareil, tu crées ça. Donc c'est le retrait total. Retrait, simple. Donc le mot plastique, la page 99, on a fait le durcissement à l'âge 28 jours dans l'eau. Hein? Le mot après 28 jours de durcissement dans l'eau. On a fait à 21 jours pour classe. Parce que tu as fait contradiction. Je fais la page 74. La page 74. Donc, je trouve la 74 où le résultat est la page 100. Donc je vois qu'il y a deux protocoles d'ici. Indique que la page 74 une description de l'ici attaque par la cible. Hein? Ou la même chose, indique protocole ou d'autres la page 100 où est le résultat. Les deux protocoles tiennent même chiffre. دونك السؤال تاعي دابور شكون هو البروتوكول جيست باسكو في لو برومي بروتوكول تقول بلي نقيس في جو ميزور ليكسبونسيون في لي ريزولتا ما كاينش ليكسبونسيون كاين لا بيرد بيرد دو ماس كاين لاسبي فيزيوال ها دونك وينها البروتوكول جيست تاعك شكون هي التجربه الصحيحه اسكو تاع لا بيرد دو ماس لا بير دو ماس تقول فيها بلي تحطو سبع ايام وتنحي سبع ايام بور اكسيليري لو بروسيسيس دو ديغراداسيون دونك هنا انا سؤالي يعني ويناها كي تحط ديريكتومون لي بروفيت وتبدل شاك 7 جور لا سوليسيون راح تعطيك ديغراداسيون او بيان كي تنحيها سبع ايام وتحطها سبع ايام شكون اللي يحس برايك بلي راح تعطيك ديغراداسيون رابيد نشوف فيها اللي نحطها جيب تمام في لاسيب مياج سيشا هي من صح هنا يبور اكسيليري ولا نو بيسك انا جو فوا دابخي
تجربتي مش تجربه انه كون تحطهم في لاسيد في لا سوليسيون بليطو 240 جور في الاخر ما تلقاش يزيد الكوبات نتاعك تلقى دي سوليسيون توتال تتاكد من هذه Je vais faire un petit peu de temps. Page 103, donc un la perte en 1%. Merci. Je vous remercie. Je souhaite une bonne continuation. Et je donne la parole, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame, pour vos pertinentes remarques. Je profite d'occasion pour demander aux candidats de noter les remarques et les émojis. Ok ? Très bien. Alors, la parole est donnée au professeur Nefazane. Chocan. Merci, Monsieur le Président. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors, contribuant à l'étude des caractéristiques physico-mécaniques des mortiers de sable avec dune, avec ajout. Donc, thèse présentée par le doctorant Cédric Tarr, encadrée par le professeur Blachia et encadrée par le docteur Aïdout. Donc, j'ai eu le plaisir de lire le manuscrit qui est bien rédigé avec peu de fautes d'orthographe. Il présente tous les ingrédients d'un bon manuscrit. Bon, dans le choix du sujet, déjà, c'est un sujet d'actualité, que ce soit au niveau local ou au niveau mondial, vu la qualité de qualité, disons, écologique du sujet, mais aussi économique. Donc, je tiens à féliciter le doctorant, aussi le directeur de thèse, pour le choix du sujet. Donc, la soutenance du doctorat est une consécration après 4 ans de travail. Surtout lorsque le sujet est expérimental, tout le monde connaît les problèmes liés à cette procédure. Donc, je vois que le doctorant a fait ses travaux dans plusieurs laboratoires de recherche et d'essai. Cela est dû sûrement au manquement d'appareillage dans les uns et dans les autres. Déplacement et tout ça. Donc, tout est à son honneur. Le doctorant aussi, vu la quantité de publication, de communication, a montré une dynamique de présenter ses travaux et se faire examiner par les comités. Donc, tout ça, il y a ça, donc je tiens à vous féliciter. Bon, comme a dit Madame Bourg, tout travail de recherche est critiquable, discutable, heureusement d'ailleurs. Donc, je vais faire quelques remarques, avec de forme et de fond mélangés, ça dépend. Euh,
Donc là aussi, il y a un manque de lumière, donc c'est pour ça que je trouve des difficultés comme toi de, pour lire la fin. Je crois qu'il y a une envie. Dans la page 16, M. Zerri, tu parles de nettoyage autogène. Chez nous, le nettoyage autogène. Hein? Donc, la page 16, donc le nettoyage autogène. Donc, est-ce que. Chez vous, le nettoyage de l'autogène. D'accord, ça fait partie de l'étude bibliographique dans ces dans la littérature, mais quand même. Donc on fait un nettoyage des agrégats, c'est ça? À l'eau, il y a qui fait. Parce que c'est le mot autogène, donc. Bon, la page juste après, la page 17. La page 17, alors, vous faites référence à la référence 36. Déjà, j'ai une petite remarque à les références. Je sais pas, moi, pour moi, c'est pas pratique de faire plusieurs tableaux de référence. Le chapitre 1 qui est là. Table de référence, on bat le chapitre de Kéline, une autre table de référence. Ça veut dire chaque chapitre a une table de référence. Pour moi, c'est gênant. Parce que ça, des fois, on se fixe sur un numéro et on passe au deuxième chapitre et on change de numéro. C'est un peu. Bon, c'est pour ça qu'il y a des erreurs des fois. Madame Groupe l'a remarqué. C'est dans l'attribution. Donc, par exemple, vous faites référence à 36, alors que la figure du même texte fait référence à 25. Donc, c'est pour ça qu'il y a des erreurs. La page 17. Alors, on ne sait pas c'est laquelle des références. Est-ce que c'est la 36 ou là c'est la 25 la page 17. Oui, j'ai compris. Mon code passe. J'ai utilisé le système MD. Il y a des problèmes. Il y a un manque d'expérience. Il y a un cours de 4 ans. Il y a des choses qui sont bien. Il y a des choses qui maximum. Il y a des recherches qui sont bien. Il y a des choses qui sont bien. Il y a des choses qui sont bien. Il y a des choses qui sont bien. Chaque chapitre, il y a des références qui sont bien. D'accord. Toujours dans la page 17, c'est dans l'étude bibliographique, vous parlez de résistance du béton recyclé, ARAC. Le cycle de. Je ne sais pas ce que c'est, ARAC. Bon, vous faites référence, mais vous utilisez des abréviations. Que vous n'expliquez pas ici, les abréviations. Donc, des fois, on connaît l'abréviation, mais pour notre signification. Donc, c'est pour ça que lorsque on parle d'une référence bibliographique ici, il faudrait, lorsqu'on utilise une abréviation, dire ce que c'est, cette abréviation. OK ? Vous l'utilisez plusieurs fois, donc on ne sait pas ce que c'est le REF. Est-ce que REF ça veut dire référence ou bien c'est je ne sais plus ce que ça veut dire ici dans votre. Alors, la page 19, ça je sais. Je pense que madame l'a aussi signalé, la page 19.
vous parlez, vous commencez à parler plastique polyéthylène téraphthalate. C'est le PET. Donc 1,6. On va 1,6,1 définition. Donc vous donnez la définition et plus rien. Donc s'il y a le 1,6, puis il y a le sous-titre 1,6,1, je m'attendais à 1,6,2, 1,6,3. Il n'y a rien. Donc je pense ici, il y a une partie de la thèse qui a sauté, qui est partie. Parce que ici, c'est une partie qui est quand même importante. C'est une définition, une partie qui parle du PET. Dans la page 22, M. Zélic, donc vous parlez, donc la page 22, que représente le tableau, la page 22? Voilà, il y a un tableau, c'est le tableau, c'est la référence 39 qui est là. Donc c'est un tableau tiré de la référence 39, qui fait référence à d'autres références dans le tableau. D'où les références, d'où les numéros, 52, 53. Parce que les références, t'as la référence 39 ou la théâtre. D'où les tableaux. La colonne, d'où les références 52, 53, 57. L'imam Tauté, t'as Non. Le tableau inspiré, mais une référence 39. D'accord. Ou la référence au 39, mais inspiré 50. Ouais. Donc c'est un peu... Parce que là, si je veux voir un, je dois retourner à la référence 39 pour voir c'est quoi sa référence, le terreau 54, 58. Parce que là, j'ai essayé de voir, je suis un peu perdu. Je m'en ai le tableau juste après ou avant, vous parlez de palettes et de flocons. C'est-à-dire l'usage du PET sous forme de palette ou là sous forme de flocon. C'est la forme de la forme. Flocon, c'est des grammes. Le PET est utilisé comme ajout pour les études bibliographiques, soit sous forme de paillette ou la palette. Palette. Merci. Palette ou paillette Bon, le mot palette me paraît un petit peu. C'est paillette, c'est pas palette. Bon, quand vous commencez à parler, le chapitre 2 sur les déchets, vous parlez des objectifs. Je t'ai fait le début, t'as le chapitre 2. Je veux dire, la page 34. Vous parlez des orientations écologiques de l'Algérie. Vous parlez de l'objectif 2010. Bon, on est en 2024. On dirait que le paragraphe est écrit les années 2001-2002. On parle d'objectif 2010. Mais maintenant, on est en 2024. On doit, quand on parle d'objectif, c'est 35. C'est-à-dire que le paragraphe ADEC est obsolète. Ça ne me prête rien de prime avec le paragraphe. Donc, c'est les objectifs d'Alzheimer, les années 2000. À horizon 2010, je tiens comme objectif. Mais maintenant, on est en 2024, qu'il y a d'autres objectifs pour 10 ans encore, donc pour 2035. Ok, le plan quinquennal, la décennale. Donc, la même remarque, donc, vous avez catégorisé le sable de dune comme un déchet. Je pense que c'était mon seul regard. Non. Voilà. Vous avez peut-être la définition d'un déchet.
قدرت لا ديفينيسيون تاع الديجي سيتي سيتي سو برودوي سيتي واحد استعمل حاجه ورماها اون بارتي فهمت ورما اون بارتي كي ني بلو كي نبو با يوتيليزي صاب دو ديم سي ان بروبليم في لا باج 43 توجور سي جوست دي ريمارك هذا بيتيتر كاين اون ايرور بركا على سكا ديبورسي لالجيري بور امبورتي دو بي او تي. Donc, la page 43, c'est écrit, l'Algérie a déboursé en 203 milliards de dollars. Bon, c'est immense ça, ça, ça. 200 milliards, réel, je n'ai porté au FIAM, le PET, c'est beaucoup ça. Donc, la page 43. Voilà. Voilà. Donc, l'Algérie a importé près de 203 milliards de dollars en 2017, ou 1,9 milliard en 2016, ou 1,7 milliard en 2015. Donc, je pense que c'est 2,03, ce n'est pas 203, parce que 203 milliards, c'est le budget à Zahir, comme le directeur. Dollars, c'est-à-dire quoi les gérables ? 44. 43. Bon, une autre remarque, vous avez utilisé un mélange de normes. Des fois, c'est les normes NF, normes françaises. Des fois, c'est les EN, les normes européennes. Et j'ai pas trouvé, j'ai en aucun cas trouvé une norme algérienne, NA. C'est un thème, je crois. Vous avez une couche que mal, norme algérienne. On l'avait dit, homme. Qui? Surtout dans la caractérisation des matériaux, qu'est-ce que les normes algériennes ? C'est presque une photocopie des normes algériennes. Alors, ils sont pas tout à fait NA. C'est-à-dire, on peut les choses. D'ailleurs, il n'y a pas. Hier, on a fait une expertise sur la mémoire de master, quand Mme Aïdoud est le directeur du test, il a utilisé les normes algériennes. Il est le domaine, là. Le domaine, ça veut dire qu'il y a les noms. On essaie. Tu te concentres beaucoup. Quand tu te concentres à la page. À les articles. Hein? À les articles. Les articles. Ah. Ne plie pas des articles. Ne figure pas normalement. Et les articles, même les articles. Il y a même les articles. Par exemple, les articles, maintenant, on a tendance toujours à utiliser les normes les plus vieilles. Les moujoudines. Et on a les normes françaises. Mais puisque l'Algérie a fait un effort pour faire des normes algériennes. Certes, elles sont référencées. Je vais terminer bientôt. Quand vous parlez de substitution, pour les sables, c'est en volume. Et pour la fibre, c'est en masse. Je pense comme ça. Substitution en volume, pour la fibre, c'est une substitution. Substitution en masse. Agda. Je vais vous dire le jeu de mots. Là, substitution en volume pour le sable et en masse pour la fibre. Agda, السابل ممكن كان يرافق. ما ليش؟ اللي كوريجيني أنا لكان أنا غلط. لا. لكان فوليوم. صحيح. لكان ماس. وعلاش؟ مش ماس وعلاش مش فوليوم والفيبر كيف كيف. نا. سي بلو فاسيل دو فير اون سوبستيتيسيون. ماس يا أخي. أسهل حاجة. باسكو نوزنا. خير. ها؟ باسكو لو تعدي على الفوليوم لازم تعاود bon, on sort le chapitre 4, hein, on grippe le camion. La page 88, je sors bien sûr. Vous essayez d'interpréter les résultats. Et donc,
vous essayez de parler déjà de la nature de la rupture, les essais de flexion. Vous parlez de rupture fragile et vous déduisez que c'est élastique. Fragile, donc élastique. On a la mécanique des matériaux, c'est un peu... Oh. Donc, si vous parlez de fragilité, donc il y a une ductilité. Mais la longueur de fibre 30 ou 20. Je vais vous dire... qui fait avoir le ductile et fragile. Parce que les photos de rupture, les photos, j'ai un graphe, c'est des photos où la rupture est fragile. Quant à la compression sans fibre ou compression fibre. La date est à 30 mm et 20 mm. Ah, je vais te dire, parce que là, en cours de l'essai, je remarque visuellement, les observateurs, même composition, fibre, mais tu clates ce matin. Tu me dis le bruit. Par contre, tu dois être fibré, ça va être fibré. C'est pour ça que sur le tardir, pour le battre mal. Le sang pour le sang. C'est des constatations visuelles. Vas-y. L'avant-dernière, la page 89, tu vois, vous essayez de faire une corrélation entre la résistance à la compression et la vitesse du traçant. Je tiens la courbe. La page 89, une relation de corrélation entre la résistance à la compression et la vitesse des ultrasons. Alors. Parce que. Ouais. Qui fait le guide à l'équation, la courbe, elle qui fait tracer. Est-ce que c'est l'Excel qui trace ça ou la. Oui. À partir de l'Excel. Là, qui trouve la courbe me paraît un peu. Parce que lorsqu'on a un nuage de points, même si on demande à Excel de tracer la courbe de corrélation, la droite de corrélation, normalement on doit un petit peu vérifier si peut-être il y a un réglage qui n'est pas bien fait. Parce que le nuage de points, il est horizontal, presque, mais la courbe elle est inclinée. Ma femme tu allais. Ayant fait le hikaya déjà, c'est très difficile de faire la corrélation binette en plus. Surtout avec R2099. On approche de. D'accord. Juste après, vous faites 97, la page 97. Vous tracez encore une courbe de corrélation, mais cette fois entre deux porosités. La page 97. Oui. A-t-il oui. Donc, vous tracez une corrélation entre deux porosités. Personnellement, je n'ai pas compris l'utilité de cette courbe. Allez, on trace une corrélation entre deux porosités secs et humides. Non. Ah, oui. Porosité de zooprover confectionnelle de 20 mm et l'autre de 30 mm. Mm-hmm. Après, je fais, est-ce qu'il y a une corrélation entre la porosité qui est, d'après des essais avec le logiciel Excel, on y a des choses bien, on va dire qu'il y a des choses bien. Non, je ne comprends pas. Donc, علاش نديروا هنا علاش نحبوا نلقاو une corrélation entre la porosité la porosité avec des fibres de 20 mm et porosité avec des fibres de 30 mm. Des approuvettes de 20 ou 30. Mais c'est une faille. Ah. Mais il fait une corrélation entre les deux. Je n'ai aucun lien entre les deux.
كان علاقة فرنسا. Je pense que j'ai terminé. Il me reste peut-être une seule question. Alors les moyens d'investigation, c'est vrai que ça enrichit le travail d'art, ça donne une valeur ajoutée au travail d'art. Mais des fois, tu ne donnes pas, bon, pas le but exact. Par exemple, les analystes, transformation Fourier, le rayonnement infrarouge. C'est une instrumentation entre le Fédouard ou la Fétonne sur la Wien. Transformation de Fourier. Fédouard. Fétonne. Voilà, entre le Fédouard. Bon, ça c'est pour faire une analyse chimique. Oui. D'accord. Est-ce que entre une idée, tu as le coût de ça? بلاش تنتهي بلاش معليش درك في جوست ابري هضرتي على الماب والماب وين درتو وين درتو الواد سي الله يكون تبارك الله عندكم غادي نجيو عندكم نديرو لي زيسي توجست بعد ما درت لي زيسي طاحوا بعد حبيت نعاود واحد لي زوبروفيت بان انترفونسيون دو مسيو دكتور تاع الجدي ثلاثة شهور ونستنى C'est pour ça que je veux on doit fixer le but. Le but de qui est le même, c'est l'âge. Est-ce que le travail, il dit qu'il le même, il dit qu'il n'y a parce que qui chiffre une interprétation? C'est une interprétation qu'on pouvait faire à l'œil. Donc, on a un noir là. On te dira. À la rigueur, avec une loupe optique, une loupe de grossissement ou à l'acteur avec un objet, un télescope, un microscope optique. Je vois où les meubles, c'est une technique où on va pour voir plus approfondir la morphologie. Mais je vais voir la forme des grains, là, on peut le voir, tu as le grain, tu as le sable. Donc je vois bien, il y a la forme de la nezvaline, je vois. Mais je ne sais pas le meuble. Je sais que mettre ces choses-là, des fois, donne l'importance. J'ai remis les articles. Les articles pour les publier. Pour moi, je ne sais pas si je suis là. Je ne sais pas si je suis là. Je ne sais pas si je suis là. Alors que les résultats, on peut les avoir sans faire. Parce que KNS, il dit que les analyses sont un peu de drame. Avec de l'argent. يجيو من بلاصه بعيده ويجيو يديروا الماء في علابه بالدراهم الوغ كو هذيك الحاجه لي ريزولتا يل بوفي لو لافوار بعينه بارك الله نوتر ميثود بلو سامبل دونك فوالا جو تو سا هاد الهضره اللي قلتها كامل سا نو مي اون اوكان كا اون كوز لو ترافاي كو تو في راك قمت بعمل جبار جو بونس كو لو نومبر دي بروفيت راهو Grippe 200, docteur, les prophètes, c'est pas facile du tout de faire ce travail. Donc tout ça est en votre honneur, Stade Zerrig. Quelle est la question ben, je rends la parole au professeur. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions, Stade Zerrig. Nous avons le privilège d'avoir parmi nous un invité de marque, jeune dans le Jamiat Oued, Zamina Jid Tarak. Qui, selon mes informations, a contribué à la finalisation du travail. Quand donc je constate. Merci, monsieur le président. Aussi, le remerciement est adressé à ces candidats sur son potentialité, sur cette diapo qui est claire et brève. Effectivement, je travaille avec ce candidat dans les mémoires de master qui traite l'exploitation des agrégats cyclés, des agrégats dans la formulation d'un béton ordinaire. j'ai remercié aussi l'équipe. De l'Université de Calmar,
bientôt le département de génie civil pour cette invitation qui sans doute renforce les relations entre nous vers l'ouverture des collaborations avec l'Université de Lebel. Aussi, je remercie le monsieur ou le professeur monsieur Blachia et aussi le docteur Haïdoud qui nous ont donné l'occasion de contribuer avec vous sur ce sujet. Aussi, et finalement, je souhaite un avenir plein d'articles et une bonne continuité sur ce sujet. Merci, monsieur Tarak. Je voudrais signaler que nous mesurons à sa juste valeur le sacrifice que vous avez fait. Il va faire 1100 km, on allait retour sur le de Lyon, je suis comme ça. Alors, avant de donner la parole à l'encadreur ou au directeur de thèse et au co-directeur de thèse, je vais me permettre de faire une remarque et demander deux avis. C'est des avis. Hein. Alors, la remarque, elle part sur le résumé. Vous avez fait citer des chiffres qui font la résistance à la compression. C'est 40 ans quelque chose. Et des chiffres concernant la résistance à la flexion. Toujours un chiffre, 7,2. Je trouve que c'est un chiffre. Maintenant que la tendance mondiale, quand on caractérise un multi ou un béton, c'est plutôt en compression. C'est des chiffres 100, ce qui refait les eurocotes. On n'a pas encore atteint un tel seuil de précision. Quand on dit 43,378, ça c'est la calculatrice qui le dit. Mais c'est physiquement parlant, on ne peut pas atteindre ce seuil de précision. Donc on a des résistances de 43, tout au plus un seul chiffre. Ok, alors le souhaiter, c'est tard, admettons, ou la rêvant, que nous allons nous débarrasser de l'utilisation des sables classiques et basculer vers la solution que vous préconisez. À votre avis, quels sont les défis techniques et technologiques que nous allons rencontrer? On doit être en train de la double jazahiriya, là, et c'est tard, je peux t'en aller à la barre de la. Faire le chemin, je peux le risque. Tu te rates, لا شو بدي بدك تقولي لي خطر شو تكنيك على ايميل بس لا بتقولي زين على السبب الناتشورال اي باس با دبر تكنيك مو موجود ما شاء الله كميه خيريه المده الثانيه ديزون برودوي الو ديزون برودوي كوز اللي تيوليزي لي دو لي ديشي اسكو ان اي سون اسكو سون ديسبونيبل بلون كونتيتي سوفيسانت انا في الجزائر انا في الجزائر Le deuxième produit que vous avez utilisé, est-ce qu'à votre avis, il existe en quantité suffisante pour que cette solution-là soit viable? Quel est l'aspect technique? Alors, quand on dit oui, c'est des galères, en fait, c'est des tailles différentes. Pour pouvoir atteindre la tête à l'essable, les humains, on a des sommes. Allez-vous, là, vous y êtes. Donc, il y a un problème de disponibilité. Deuxièmement, on a les deux produits. Il y a tout un process technique qu'il faut mettre en place. Mais je pense que le résultat est très bien. Mais je ne Très bien. Deuxième investissement qu'elle manque, c'est pas. Les résultats que vous avez présentés, c'est sur le mortier. Ah oui, c'est Le mortier, bon, un peu du crépissage. On utilise essentiellement le béton. Est-ce qu'on peut extrapoler les résultats? Est-ce que le nettex, je dis carrément, ou si on bascule vers le matériau béton, on va retrouver les. La même tendance, hein, c'est pas les mêmes chiffres, mais à la carte en termes de tendance. C'est juste un avis. C'est pas des chiffres, hein, c'est pas de la thèse. D'après les résultats. D'après les résultats. وصلنا
الناس اللي تشري البافي الذي ماش بي طون وي المتر كاري يسوى برسك 100 دينار باش نستعملو في الماتريو دي سويس ماتيريال مي كون راح نستعملو في سويس الاسكلاف الاسكلاج راح يسوى المتر كاري ممكن نبدا باس 100 دينار دي كوتي ايكونوميك يعني توجور نقولو مرتي 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 وين رايح نعملوها المرتي هذا عندي فكرة حتى في الارتيكل تحدثت حتى مع استاذ وكان مع استاذ اخر حبيت نوضحها كيف تستعملها الغالب وين تقولها المهم لا توندونس ا مون افي لا فيت فير بار كون كون شيرش ا رومبلاسي لو سابر كلاسيك باسكو الى الى في انورمون دو ديغا كوتي بي جي ار سي لا كاتاستروف هذا الاستغلال بكثرة أو توتال أو بس كل يبغى يسمى دي نونا نونا فيها. نحط على الصدر اللي هنا رأي يسمى نص وقت وقت. تري بس تا. أبغى ندوني البارول هاي كلو. إن كيسون مو إن كيسون نفع. با كيسون سد نفع. ودي لك كيسون. وش يا واحد؟ تري بس. فاكتور تاع الزيت ب 4416 شفتهم في الماء حطيتهم في البيدون تاع الماء تاع الفرشة دراجة في دخلتهم الداخل محافظ عن الحنين قدرت لا لونغير ودرت ان ثقبتهم ثقبتهم خلاص هكا بس يمشي النفع Parole au professeur Madame Essia, maître de conférence de Jésus Guelma, elle est quelqu'un de parti. Merci, monsieur le président. Merci, docteur. Il a fait beaucoup d'efforts, surtout pour l'expérimental, après aussi pour la rédaction. Vraiment, ça prend du temps. Malgré ses empêchements de travail et tout, familial et tout. Et je remercie surtout M. Blachia qui m'a donné cette occasion de travailler avec lui dans ce thème. Pour quelques justes éclaircissements, pour la substitution, on a fait une substitution volumique. Du sable pour garder le volume final, c'est-à-dire le mètre cube, juste pour les fibres, le PET, on a fait une incorporation, d'accord. Donc ça a été, c'est pour ça, ça a été en masse. Les erreurs, la thèse, quelques erreurs, surtout la référence, on a parlé comme il a dit. Il a utilisé le Mendeley, où la dernière minute j'ai dit il faut changer, mais malheureusement il a avancé. Un certain pourcentage d'avancement, les Mardanesh Naoudou. Donc ça a été ça le problème. Aussi pour le, je sais pas, peut-être le mot qu'elle a dit Madame Haboub, que je remercie beaucoup pour ses remarques. Donc. Correction, ça a été le principe, ça a été, je peux dire, le départ du travail. Après, les portes s'est ouvertes et pour faire beaucoup de travail parmi les paviers, il a proposé de le faire, mais je l'ai arrêté. J'ai dit c'est beaucoup, on a fait beaucoup de travail. Si on continue, on ne va pas s'arrêter. Donc, je remercie une autre fois le docteur M. Jdid pour sa contribution, ses aides, tous les laboratoires, aussi pour la partie qui a dit Madame Boub, pour les éprouvettes. Donc il a ramené les éprouvettes LUED, il a fait des essais à LUED, etc. On a fait toutes les solutions, on a essayé de faire les solutions. En fonction des obstacles temporels de chaque période. Donc ça a été des solutions. Merci et une autre fois. Je vous remercie. Je vous en prie.
شكرا سي البريزيدان. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. بهذه البداية je commence par remercier d'abord les membres du jury qui ont accepté donc de participer à cette évaluation. À leur tête, donc, monsieur le président Chariette Yassine, qui n'a pas hésité donc, à présider cette soutenance. Aux examinateurs, ma collègue Yuskida Rouria, que je remercie aussi pour avoir fait le déplacement, surtout par ces temps un peu de chaleur. Notre confrère aussi, donc, Sinefa Zardine, je le remercie à l'occasion. Et sans oublier donc notre invité donc, qui a fait le déplacement depuis l'Ouest jusqu'à Guelma. Et ma collègue, bien sûr, pour sa contribution donc, à ce travail, contribution efficace quand même, qui a donné quand même des résultats. Pour ce qui est du candidat, donc, je me permets à titre humain donc, de le féliciter pour son courage. Parce que trouver donc actuellement donc, des étudiants, des doctorants aussi donc, engagés, c'est pas évident. C'est pas évident. Nous avons affaire donc à une génération donc, de doctorants qui généralement courent bien, cherchent que le diplôme. Ils ne cherchent pas donc, à acquérir donc, des connaissances, à acquérir donc, une expérience. Si ce n'est pas son cas, malgré son expérience dans le professionnel, donc il s'est mis donc dans la peau d'un étudiant tout court. Et ça, ça permet donc avec ses qualités de persévérance, ses qualités d'endurance, c'est lui toujours qui nous a poussé à travailler avec lui. Et à chaque fois, il nous sollicite avec bien sûr ses propositions. La preuve et donné à travers donc, la protection scientifique, pouvoir donc mener un encadrement actuellement et terminer avec toute la protection qu'il a fait, deux publications de renommée, dont l'une est dans une revue de classe A+, et la deuxième est dans une revue de classe A. Ça, c'est à son honneur. Sans compter aussi les participations aux manifestations scientifiques, que ce soit à titre national ou à titre international. Donc, il a toujours donc été à l'écoute de nos conseils, moi-même bien sûr, et celui de Madame Aïdoud, quand il s'agit de choses plus fines, que personnellement je ne permets pas donc, de se casser trop la tête avec notre âge qui avance. Et ça, c'est tout à l'heure, bien sûr, à l'heure, comment dirais-je, à l'heure compte et à l'heure effective. Pour ce qui est de travail, effectivement, généralement, quand on commence une thèse, on commence avec une idée simple. Mais puis, avec le temps, cette idée se développe. Et parfois, on n'arrive pas à arrêter ce développement. Ce que je reproche toujours dans mes participations dans des soutenances, c'est de demander aux étudiants de ne pas trop faire de choses, jusqu'au point d'oublier ce qu'on voulait faire au départ. Et là, si on est un petit peu tombé dans ça, donc lui, il s'est investi, à chaque fois, il exploite un champ, ce qui a donné donc, toute cette quantité de travail, que je remercie à l'occasion. Je le remercie donc, aussi pour son effort, à pouvoir donc maîtriser la langue française qu'il a utilisée dans l'exposé. Et ça, ça a été donc quand même un défi depuis son inscription il y a 4 ans. Pour terminer, donc, je le remercie infiniment. Je remercie aussi l'assistance pour Al-Sabarta Amana. Comme je remercie aussi mes collègues donc, qui sont donc avec nous. Merci, M. le Président. On prend une question. S'il y a une question de la part de l'assistance. C'est fait. Non? Pas de question. Madame la secrétaire. Voilà, je suis sur le bout de bouche du compte. Je suis sur le bout de bouche. Plus
vous allez faire. Actuellement, et actuellement, il est possible. Ah, voilà. Il est pareil, donc il se fait qu'il y a de l'idée. Le Christian Chouy a peu de la technologie d'idée, il y a de l'idée. Quand on sait tout ça, la chouffe, on est pareil en tout. Il faut la guette, le pareil en terre. Quand on va le citer, il te montre le gâche. دكتور من الاتجاه كان إصلاح ما سمى الدولة تدخل سياسة لأن الرسكلات بالمتاج من السياسة للتعبير Bon, ça ne touche pas le travail tech, mais vraiment, le métier actuellement, il y a des nouvelles technologies, donc actuellement, le recyclage massivement, il refait aussi des bouteilles. Voilà, c'est toute l'information. Tout à l'heure, déjà, c'est bon. C'est bon. Est-ce que l'on avant de clore le débat, je voudrais signaler le bel hommage à le directeur de thèse. C'est Blachier, machallah. Donc, le débat sur le gauche matériel, les jurys vont se délibérer, enfin, se retirer pour la délibération. Merci. نرجع للسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المنح المترشح سليم طه شهاده دكتوراه بتقدير مشرف جدا